On arrivait à destination. On arrivait à la première brocante. Donc bien le bonjour. Bonjour à la vidéo. Voilà, ça fait 2 semaines qu'on l'a pas fait, donc c'est normal. Parce que j'étais malade il y a 2 semaines. En plus, c'est vrai que j'étais malade en brocante, il me semble. Je sais plus ce que j'avais, mais bon, j'étais malade. Voilà, je suis toujours malade, mais là c'est dans la tête, donc c'est rien. Hein? Oui. Voilà, donc on est parti, on arrive à la première brocante. Ah. Voilà. Là j'ai pris 40 ans. Voilà. Bon. C'est vrai, hein? J'ai pris 40 ans maintenant. Donc, je disais sérieusement. Je disais. On n'a que 2 brocantes à faire aujourd'hui et avait une maison. Je pense pas qu'il y une maison où on va pas fumer parce que j'ai jamais de jeu là-dedans. Mais donc voilà, donc on se détruit pour les images. Je bug, c'est l'émotion. Petite vidéo bonus, regardez. Sur le parking de la brocante, il y a une voiture abandonnée. Alors comment on sait? Parce que l'année dernière, quand on était venu, elle était déjà là. Et il y a même il y a 2 ans aussi, donc comme ça. Putain, c'est on est arrivé. Ça est. L'heure de la baie. Ah, c'est terrible, à quel point il peut pas être sérieux. Donc de loin on dirait qu'elle est petite, mais en vrai elle est très grande. Donc c'est parti, à tout de suite pour les images encore. Ah. Gamecube. Ouais, je trouve un jeu. Ou Clog Off, ce Gamecube je l'ai pas. Un jeu Gamecube, direct en brocante, c'est excellent ça. Ouais, bon allez, attends. Bon, j'ai trouvé un petit jeu sympa. Bon, il est pas en excellent état, mais ça va, j'ai négocié le prix. En plus, c'est pas souvent qu'on voit ça maintenant, donc ça, c'est cool. C'est cool. Allez, la suite après, c'est parti. Bon, bah alors, bonne journée. Bah, merci. Et comment que ça s'appelle dans. Tu les mets de côté. Allez, quand cocotte. Tu passes. Ouais, moi je regarde. Ou alors tu me donnes ton. Bon, bah, ça ira bien. C'est bon. Ouais. Guy, tu sais combien les. 50 centimes. 50 centimes. Attends. Alors, j'ai pu acheter un coffret pour mon père, ça vaut le coup. Collector Edition. Et vu le prix que je l'ai payé, ça vaut toujours le coup. Hein. Ça c'est pour lui, parce que moi j'aime bien aussi, mais je préfère les jeux que les CD musiques. Enfin que les CD musiques et les films. Donc pour ceux qui se demandent le prix de ça, le collector, 50 centimes. Bon, de base c'était 1€, mais j'ai négocié. Toujours mon négocié en banque, toujours. Bon, j'avance vers le stand. Il a encore 100 mètres de différence entre le machin. Ça c'est chiant, ça qui ravance pas. C'est bref. Après je suis toujours en train de me plaindre, donc c'est normal. Pour ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude. Bon allez, j'espère trouver quelque chose parce que niveau jeu c'est pas terrible. Hein. Bon, j'ai vu le tour, il a rien. Voilà, je suis un peu déçu, mais bon, comme toujours, hein, tu m'iras. Excusez-moi, vous faites combien les DVD Tintin? 1€ le DVD. Vous faites combien l'ensemble? Bah, je sais pas, que les DVD Tintin. Oui. Je sais pas, faudrait compter combien il y en a. 3, 6, 9, 10, 11. Ouais, je pense qu'il y a l'intégrale, donc je sais pas. Tout ça, c'est en les petits, là, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 1, 20, si c'était 1€, 20. Normalement, ça aurait fait quoi, 20€? Mais comme si je prends tout, je peux lui faire 15€. Tous les DVD là. Non, je vais réfléchir. Oui, mais c'est parce que c'est 1€. Si je le perds, si je les vends au détail, bon après moi c'est pour me débarrasser 14€, mais si vous me donnez 14€, je vous les donne. Ouais, je vais réfléchir. Il faut que je demande à mon père parce que c'est celui qui a les sous. Oui. D'accord. Arrivé à la deuxième brocante, donc c'est parti, on y va. Oh là là, c'est un peu loin quand même, hein. Ils sont quand même vraiment très très éloignés. Hein.
On verra bien, on va voir ce qu'on va trouver. Hein. Et voilà. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous faites combien les jeux, s'il vous plaît? 5 euros. 5, d'accord. Oui. Celui-là est malin drôle, celui-là. Pour 3, ça vous irait celui-là? Pour 3 euros. Ils sont pas à moi, bon, on va dire. Allez, 4. C'est pas moi qui les vends. 3,50. Ah, je négocie jusqu'au bout, moi. Vous avez raison, c'est le but du jeu. Hein. Ouais, c'est le but de la brocante. Hein. Oui, oui, oui. Si vous avez la monnaie, je veux bien. Allez. C'est parti. Petit jeu trouvé. Allez, on fait la suite, c'est parti. Une manette. Vous faites combien la manette s'il vous plaît? 5 euros. 5. Une manette PC. Ouais, après ça marche sur Xbox aussi. Hein. C'est vrai? Bon, ouais, ouais. Je sais pas si c'est un port USB, mais je l'avais acheté pour jouer sur PC. La belle époque. Ouais, je vais réfléchir, je vais voir. Ça marche. Ouais, je pense que je vais la prendre, mais je vais voir quand même, je vais réfléchir. Merci. Oui. On se retrouve pour le bilan de la brocante, enfin des deux brocantes d'aujourd'hui. Alors, je suis un peu malade, donc ça peut se voir, je pense, parce que c'est l'allergie, toujours. C'est de boucher. Donc c'est ultra chiant. Mais bon, on va faire avec. Alors, de base, il y avait une vidéo qui était prévue la semaine dernière, donc des brocantes de la semaine dernière. Je ne l'ai pas faite parce que j'étais malade, comme je vous expliquais. Donc là, c'est le bilan du coup des brocantes d'aujourd'hui. Malheureusement, je ne pourrais pas faire l'autre parce que ça ne sert à rien de mettre juste le bilan et sans les images. Donc c'est nul. Mais là, du coup, c'est mieux. Là. Parce que vu que j'ai fait les images, je vous montre ce que j'ai vu. Donc il n'y a pas grand chose. En plus, ça, je suis malade, donc laisse tomber, c'est la poisse. Terrible. Donc on commence par quoi? Parce que je ne me rappelle plus de l'ordre. Alors on va commencer. La première brocante, donc c'est logique, tu diras. Voilà, donc là, tout a été trouvé dans la première brocante. Sauf les deux derniers trucs que je vous ai montrés. Donc il y a 3, 4, 5, 6, 7. 7 objets. En termes de brocante, ça peut être beaucoup. Mais moi, généralement, c'est entre 5 et 10 objets par brocante, généralement. Voilà, j'en ai marre d'avoir les allergies. Bref. Allez, je vais aller vite parce que sinon je suis malade là, ça va être terrible. Allez, première trouvaille, j'ai filmé, donc vous avez sûrement vu les images et les extraits. Le jeu GameCube. Alors ça, c'était la meilleure rencontre de faire la meilleure trouvaille de la journée. Bon, même s'il a pris l'eau, hein, la jaquette a pris l'eau. Bon, c'est encore état correct, on va dire, même s'il a pris l'eau, donc ça passe. Prix de base 8 euros, négocié à 5. Parce que le vendeur me connaissait. Et donc c'est sympa de sa part. Voilà, donc un jeu en plus dans le full set, ça c'est bien. Voilà. Après, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé le truc que je vous ai dit de mon père. Jimi Hendrix, le coffret collector. Il y a deux disques, tout en bon état, complet. 50 centimes. Très belle affaire parce qu'il n'est pas facilement trouvable sur le réseau, ça c'est cool. Après. J'ai pu trouver les Sims 2 animaux et si voilà. Alors ça c'est le guide du jeu, ça c'est cool, payé 1€, donc ça vaut toujours le coup parce que je fais pas une poussette, mais on va dire que j'aime bien avoir plein de guides. Attendez, excusez-moi, je fais une petite pause, je me mouche. Ah, j'en peux plus, c'est terrible, tout je suis malade. Bon bref. Après, les deux derniers trucs de la première brocante que j'ai pu trouver. Le top 13 de Dragon Ball, les films. Voilà, Dragon Ball Z. 2 euros, celui-là. Ah, j'ai oublié de dire les prix pour le... Ah non, c'est bon, j'ai dit. Kale, donc un coffret de 4, ça vaut le coup. 4 balles au lieu de 5. Voilà, des négociations tout sympathiques. Deuxième brocante.
trouvé. J'ai trouvé quoi à votre avis? J'ai trouvé Transformers Battlegrounds sur PS4 à 3,50€ au lieu de 5€. Ça vaut le coup. C'est un prix normal, on va dire, pour un jeu maintenant. Et l'autre affaire que je connaissais pas, le Mighty Xbox 3.6 qui marche sur PC, voilà. Donc ça a payé 4 balles au lieu de 5, voilà. Voilà, on a fait le tour de ce que j'ai pu récupérer. Désolé si ça entend que je suis malade. Et on se dit à la semaine prochaine pour les suites. Bye. Bien avancé. T'as bon fait ? Ah oui.